chanson pour les danseurs. Parce qu'on connaît tous, tu sais ce que c'est que la 15 juillet en France, les dates, ce sont principalement quoi ? Des balles, des festivals où il y a beaucoup de danseurs. Et il faut faire plaisir aux danseurs. Donc, on a beau ne pas vouloir jouer la même chose que tout le monde, il y a forcément des répertoires qui sont redondants avec l'autre. Parce qu'il y a des musiques, des danses qui sont félicitées, si on ne les a pas dans le répertoire, bah, ça va pas. Mais on essaye toujours de garder une petite partie de chansons qui ne sont pas forcément des chansons réclamées pour la danse, mais parce qu'on a envie de les jouer, parce qu'on les aime. Il faut trouver un juste milieu, un juste équilibre entre tout ça. C'est donc, bien d'appeler un patchwork, parce que c'est quand même mieux que d'appeler une grâce et de l'appeler en tout temps. Mais de c'est très ballot. Ça existe, bon. Il y a un clin d'œil là. Et au niveau des reprises, vous orientez plutôt vers les grandes stars de Nashville, Texas. Il y a un vrai mélange. C'est surtout basé sur la voix féminine. Alors on change parfois les tonalités. Si tu demandes du Johnny Cash, la voix féminine. Je reprends bien du Brad Paisley, Tim Body. D'ailleurs ça change un petit peu forcément l'interprétation. Moi je suis un fan inconditionnel de Wayne Hayes, mais on ne peut pas reprendre du Wayne Hayes chez nous. Non, Wayne Hayes, si tu nous entends, du Ray Scott, un batteur qui t'attend. Non, on prend des Travis Street, on prend... Vous ne pas du Florida Georgia Line? Non. Les Dixie Chicks, c'est important. Ah bah forcément, il y a des magnifiques interprètes féminines, donc Gretchen, voilà. Vos dates, parce qu'en France, j'ai remarqué que les groupes français tournent généralement assez régionalement. C'est-à-dire, les Lyonnais tournent beaucoup dans la région, Rhône-Alpes, Auvergne, vous dites Rhône-Alpes, Auvergne, vous êtes originaire. Le noyau, c'est Nantes. Le groupe Chata, il est basé à Nantes. C'est la Bretagne. La Loire-Atlantique. Je pose la question. Le château de Bretagne est à Nantes. Le château de Bretagne est à Nantes. Donc c'est un groupe de montagne. Et vous tournez plutôt dans l'ouest de la France ou... Je vous ai vu à Cagnes-sur-Mer. Oui, tout à fait. En fait, on a peut-être bien entendu tourné pas mal dans les années entre 2005 et 2010 sur la région Bretagne. Mais c'est vrai que notre lieu de prédilection en festival, c'est pas la Bretagne. C'est beaucoup le. Un public fidèle. Comment ça s'est passé avec Evreux? Vous avez été contacté ou vous avez soumis une candidature? Je pousse bête, tous les ans, je fais un petit peu comme tout le monde, j'envoie des mails, etc. Et puis le festival est venu vers moi et voilà, ça s'est fait assez simplement. Mais je pense que voilà, on n'est quand même pas hyper nouveau non plus. Enfin si, c'est vrai que... Ouais. Mais bon, on se fait connaître, on fait de la pub, on communique avec Facebook aussi, beaucoup. Et je sais pas, après, pourquoi on est venu, il faudra leur demander. Je crois qu'il y a une chose qui se passe, enfin bon, moi c'est mon point de vue, je trouve que depuis 5-6 ans, les groupes français ont sacrément progressé en termes de musique. Je peux vous dire que Rose en est témoin puisqu'elle est dans la technique des années et des années. Il y a quelques années, les bons groupes, on les demandait sur les deux doigts d'une main et les doigts d'une main pendant qu'on les demandait de main. Là, il commence à y avoir de la bonne qualité. Donc, c'est peut-être un peu ce qui fait que les festivals prennent de plus en plus de groupes français plutôt que des groupes américains. Mais en même temps, bon, c'est vrai que c'est agréable d'avoir comme à Évreux. Bon, je vais juste dire un mot sur Évreux, c'est pas ma compte de presse, mais faire venir des artistes américains avec le groupe américain, c'est quand même autre chose que faire venir un artiste américain avec un backing band français. Même si le groupe français est très bon, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais écoutez, je sais pas, moi, c'est moi qui ai posé des questions, vous en avez peut-être Vous connaissiez tous Astrid Chatterjee? Oui. Yvon les a vus à au début de septembre. Et vous avez des dates prochaines? Alors, ce sera le 7 sur
sur la région parisienne. Non, la région parisienne, à part le Billy Bourg, la région parisienne. On sera au festival du coup de Raymond. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est fait. Mais oui, c'est la région parisienne. C'est 24, je crois que c'est 24 juin. On sera au festival du coup de Raymond. 2017, oui, on a des choses prévues sur 2017. Il y a pas mal de choses à vous parler. Ouais. Alors merci beaucoup pour ce. J'espère que ça vous donnera un petit coup de main. Je vais demander à Rose de nous parler un petit peu d'un événement qui a eu lieu, qui est sorti hier. C'est la FFCLB, c'est ça? Mais tu peux en dire deux mots? Ben voilà, donc c'est un album qui sort le 12 novembre pour le lancement. Ben, je vais peut-être me. Ne partez pas, il y a Dominique qui va nous faire une super photo. Donc c'est un album qui va sortir le 12 novembre à Disneyland, au Mini Box. J'y étais beaucoup, donc j'ai un régénéré qui m'a fait cette faveur de déplacer une soirée pour nous. Moi je travaille depuis maintenant plus de 15 ans à faire augmenter le niveau de la country made in France, c'est-à-dire que moi-même je suis artiste, auteur, compositeur, il y en a des tas en France. Je suis assez d'accord avec ce que dit Georges. Il y a quelques années, le nombre de groupes français qui avaient un niveau professionnel était très très restreint, honnêtement. Et maintenant, petit à petit, on essaie de donner confiance à ces artistes, on essaie de les faire parler anglais correctement, ce qui est important quand on joue de la musique américaine, et à faire augmenter le niveau de la musique. Et pour cela, j'ai eu envie de faire un projet qui sort pour Noël, puisqu'il s'appelle le Christmas Album. Ce sont des chants de Noël américains qui sont repris par 10 artistes différents français. Ceci afin de montrer qu'il y a du talent en France. Et pour faire un petit peu ce que disait Nasli il y a deux minutes, pour rejoindre le monde des danseurs, j'ai eu envie de créer ce projet avec la FFCND, donc Fédération francophone de country line dance, qui a demandé à 10 chorégraphes de chorégraphier tous ces morceaux pour qu'il y ait des Christmas parties un petit peu partout en France et que tout le monde puisse fêter Christmas, mais en country. Alors cet album, il y a 10 artistes et je dis un petit peu quelque chose de faux puisqu'il y a un 11e artiste qui est une cerise sur le gâteau, puisque monsieur Zachary Richard, qui n'est pas n'importe qui, entendant parler de ce projet, a souhaité le rejoindre. Donc il nous a offert un morceau pour cet album. Il sera chorégraphié lui aussi, un merveilleux duo avec Lina Boudreau, qui est une artiste canadienne. Et donc voilà, tout à l'heure, c'était pas tout à fait prévu dans le festival. On remercie infiniment tout le staff de Évreux de nous accueillir. Et tout à l'heure, il y aura 3 morceaux de cet album en extrait. Alors comme ce n'était pas prévu, malheureusement pour moi, je le dis bien parce que ça m'arrache un peu le cœur, je vais chanter ces morceaux sur bande son, sans musicien en vrai. Mais l'important, c'est d'essayer de faire connaître le projet. Et le disque est arrivé hier. On était absolument sûr de ne pas l'avoir pour le festival. Et il est arrivé hier. On est super contents. Et il sera tout à l'heure là-bas. Voilà, moi j'ai beaucoup bossé sur cet album et on a travaillé avec, j'avais déjà eu un projet comme ça en 2009, j'ai pris 10 nouveaux artistes et puis j'ai travaillé avec de grands musiciens français, on a enregistré ça dans un des plus grands studios parisiens, qui s'appelle le studio de la scène, et les musiciens sont des gens qui jouent avec Goldman, avec Cabrel, avec Thiéphen, c'est-à-dire de grands musiciens français. Et on a une super qualité d'album, ce qui fait qu'on va dire que vraiment on peut se débrouiller correctement en France. Alors par avance, je vous remercie de l'accueil que vous ferez à cet album. Je suis sûre qu'il sera